Les Congo AL News, première chaîne d'info. Crime contre la nation au sommet de l'État parce que tout le monde va conseiller à président. Conseiller à président, on va venir vider un mandat. La vidéo n'a été mise à la réseau social. Comment vous allez pour utiliser Congo et Congo et puis le minerai à Congo pour investisseur pour s'investir dans le monde. Comment va piéger pour comprendre et aussi comment le président de la République à Kinek Namatan a Monsieur Kwedi a vraiment accepté cette chose quand il va l'amitié dans la tête à Congo et à groupe Salongo. Le président de la République qui va agir à RTNC, sous le président pour l'enverser que non, va foutre à mon bébé, mais pas trop amouqué. Pour comprendre aujourd'hui, avec M. Chris Kalongi, cadre de l'Île-de-France, M. Chris Kalongi, bonsoir. Bonsoir. Et aussi M. Lucien Ngando, Wazali, président de la Force Nouvelle du Congo Libre. M. Ngando, bonsoir. Bonsoir, Mouzon. Et aussi M. Macheki Congo, Bedos, analyste politique. M. Macheki, bonsoir. Bonsoir, M. Mouzon. Trahison au sommet de l'État, tout le monde a montré très bien ce qui s'est passé aujourd'hui avec Vidi Etchimanda, qui est conseiller stratégique à président de la République aujourd'hui. Elle a été plongée dans le détournement des fonds, trahison contre la République démocratique du Congo, mais on ne sait pas, est-ce que l'UDPS aujourd'hui a cette idéologie au Congo et au Rwanda actuellement pour comprendre est-ce que Tshisekedi s'est dit, qu'est-ce qu'il pensait de l'état des droits, M. Kalongi. Merci pour la parole. En tout cas, Kolobake, IDP, Soka, ça a une idéologie. Oui, IDP, ça a une idéologie au Batutu Baebi. Mais, Eloko Outio Salama, avec l'ex-conseiller stratégique en matière stratégique, il y a président de la République, M. Vidier, je rappelle que non, Aza membre, il y a IDP. Donc, il faut le souligner. Il a son propre parti politique. Collaborateur à président de la République, ils ont signé ensemble pour avoir pouvoir. Il n'a signé ensemble avec personne pour avoir pouvoir. Ceux qui, président a nous maquillé comme ancien membre de l'UDPS, il a aussi des relations à Monique et nous avons compétences Mokoboye, qu'on servir Pemboka, dans le domaine Mokoboye. C'est pour cela que le président, comme étant libre de nommer qui il veut, Anouma qui est comme conseiller. Effectivement, on a fait partie aussi de l'Alliance Ouvassala, effectivement, là, Kamel et Félix. Il n'y a aucun partage à pouvoir entre le président de la République, n'a qui que ce soit. Il faut comprendre que Vidi et Chimanga, déjà pour un poids politique, je ne sais pas où opérer ce poids politique, ni. Donc ce qui est banal, pour la UDPS. Par après, il a choisi son chemin, il a créé son propre parti politique, les noms échappent, il est libre de les faire bien sûr, mais le président a nommé qui est pour Aïba Kikeno, Azaki n'a pas compétence, ça pouvait servir le pays. Mais Makambo est commis, bon, on va en parler de toute façon, mais ça n'engage que lui. Et Dieu merci, il a pris une bonne décision, il a démissionné, c'est ce qu'on attendait de lui. Et voilà quoi, donc... Pourquoi autour des présidents aujourd'hui, la majorité de la personne va être toujours impliquée dans la vol, un crime contre la République? En tout cas, M. Mouzon, on a un problème avec le Belaka, Mikolonios. Mais moi, je suis en train de me dire, il y a un Congo, il y a une année, il y a une corruption et un niveau Nios dans le Congo. Surtout dans la présidence. Ce n'est pas la première fois qu'on a dénoncé Babilo Koyo, ils ont passé dans la présidence. Depuis très longtemps, on a dit au président à changer équipe Naye. Ce n'est pas pour rien que quand tu as une entreprise, il y a ce qu'on appelle fin d'exercice. À la fin d'exercice, bah, c'est le bilan. Pour Batal, est-ce que le bilan entreprise ont marché bien ou pas? C'est positif ou bien c'est négatif? Moi, je me demande, tout le temps qu'on a crié, mes colonions sont président, vous êtes mal entouré. Président, vous n'avez pas de bons conseillers. Président, on dirait que le président n'écoute pas. C'est normal qu'il fasse confiance aux gens que lui-même il a nommés. Mais est-ce qu'il fait le bilan pour savoir si effectivement ces gens-là, Bazo Sala, Moussala, Oyo, Achelek, on ne peut pas ça là? Parce que Vidi Chimanda a le bilan au Mozart Capital, a le bilan qui est parce que c'est l'interview, Madame Soussou, a le bilan qui a toujours travaillé pour le président, en tout cas, jamais pour travailler le président de la République. Allez, est-ce que ce qu'il a fait aujourd'hui, la vidéo est éliminée à les réseaux sociaux, est-ce que le président a été un mot ou pas? Parce qu'il dit lui-même que a toujours pour servir le président, il n'a jamais trahi le président de la République. Bon, Wana Isaba propos, c'est normal. Hein. Pour l'instant, Azo bénéficie de la présomption d'innocence. Il y a un moment, moi, j'encourage
action où il y a ça, acte où il y a ça, il y a que non, a démissionné pour à se mettre maintenant, il est moko devant la justice, s'il y aura la justice, s'il y aura des poursuites. Mais nous avons vu tous ce qui s'est passé. Parce que les athées qui les ont dit, c'est, ça circule sur tous les réseaux sociaux, Ndenge Bazako utilisé. Donc Ndenge Azako se vendre Yemoko pour le Bakeno, voilà, les 200 millions et Gozalaka et la société, voilà, Yé à Gozala n'a pas na katia société, 20% na katia ya société. Donc Ezaba pratique et Bandakala, ce n'est pas pour rien que le président de la République, il a fait plusieurs voyages en Europe pour Amemba investisseurs. Moi, je reviens toujours sur ma parole de la présidente de la République. Le président, il avait dit, il fera des Congolais des millionnaires. Bah, millionnaires au président, le bâti, ce sont des gens comme eux, les conseillers qui sont là, où il y a pour négocier, marché na batou, bapé sa bango bambon, bango bazana pourcentage. Et ce qui fait que non, il n'y a pas des investisseurs aujourd'hui visibles dans le Congo. Ils viennent, ils repartent parce qu'un homme blanc, quand il a fait un projet sur 200 000, qui a Longoli 10 000, azana perte, on s'est là, on s'est là, on bien été. Parce qu'un homme blanc veut faire correctement le travail. Ce qui a pas si délai naïe, délai, le délai soit respecté. Ce qui délai a respecté, il va pas sanctionner. C'est pourquoi, président, il faut attendre la commande bien. Mais c'est Nalo, c'est très compliqué. Vidéo Chimanga, déjà, est accusé, comme on a dit, c'est pas la première fois. Premièrement, comme on a dit, vidéo naïe sur la violence, maquine à réseaux sociaux. À un moment donné, avant, il a été suspendu. Après, mec, aux ondes, ça y est, violence, tu sais, Freddy Félix. À garder un pouvoir aujourd'hui encore violence, ça c'est violence financière au SAMI aujourd'hui, ce qui s'est passé dans la société aujourd'hui. Alors pourquoi Tshisekedi aujourd'hui croit toujours à Vidi Tshimanga, au moment où Vidi Tshimanga dit clairement qu'il n'a jamais trahi Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est que Vidi Tshimanga aussi, Félix Tshisekedi, est impliqué dans l'affaire de Tshimanga ou pas. Bon, le président, il est dit, Vidi Tshimanga, Lobia Mokasa, homme de confiance, il y a président. Aza, homme de confiance, il y a président. Et. Ouais. Donc, Videti Mangalobi, bien qu'Azali, homme de confiance, il y a président. C'est son homme de main. Bon, maintenant, Sokotali, interview, Oyazala Kinango, n'a bah, soi-disant investisseur, Nenge Bini, et ça, entretien entre, un parti, entre des individus. Bande Kosolola. Bazo négocier marché. Et nakati ya négociation ana ndesikoyo ba faille ke komonana parce que on connaît tous que donc on connaît tout le monde sait na Congo ba toana bazana pouvoir, ils ont des cabinets sombres ou encore des cabinets de ba officine ezali yase oyo ezula ka ba marché. Parce qu'un président de la République, toi tu es un premier ministre, toi tu es un président, un ministre, il y a tel secteur, ne peut pas mettre sa tête devant un bah, négociant, toi tu es négociation avec les investisseurs. Bon, tinda toujours bah, cousin, bah, bango, bah, pire bango. Et Vidier dit que y est, tant la zone salamaka, ma zone salango pour le président de la République. Bon. Nous avons raison, nous avons traduire la justice. Et ça, c'est un scandale dans le sens éthique. Okay, c'est le président et son conseil spécial à Zoloba na combo ya président, c'est-à-dire ya salaka ba coopération na ba pourcentage pour le compte ya président. Vous comprenez, c'est un scandale. Mais juridiquement beaucoup qui ont condamné na bino Tokyo condamné y était parce que a détourné non s'il vous plaît, trahison et ça la maca et ça pratique ça. Mais le président de la République a l'obéi d'un membre de la rétro-commission, non? Mais en Europe, dans un pays démocratique, c'est condamné, c'est à dire tant aux gens à pouvoir au coquille qu'aux oies va marcher. Vous comprenez, parce que et ça a bien à pouvoir bah condamné en gros selon la justice internationale, même la justice dans un pays démocratiquement vraiment de un pays développé. Et Moutou a un pouvoir à qui qu'on sait servir, n'a pouvoir n'a été pendant sur le marché. Qu'est-ce qui fait développer un pays? C'est les start-up, l'entrepreneuriat on te développe à Kamboka. Mais na Congo lelo ce que t'as dit bah entreprise kuna combien bah sur le marché.
bah marché bah zuité parce que bah conseiller présidentiel bah zo détenir bah dossier pour na bango frère Aouti Kopé ça exemple à lobby bah investisseur président bah qui a ça bah voyage pour na bah investisseur bah na mboka. Combien des investisseurs bah na mboka voilà c'est ce que je dis juridiquement vidier tanga solo na batwana ngana kingana sala cop wana ya or na trouvé bah fournisseur et puis ngana mema bah ben investisseurs donc les acheteurs de l'or mais dans la carte il y a négociation vos autres travaux vos autres solana bango mais et donc Bomi Vidier se parler au nom du président de la République en tant que conseil spécial naïe et puis va piéger tant que zone bah que non président qui combimate et zangane non ça la m'ramener on te plus on a dit qu'on contrôlait c'est là où les scandales arrivent voilà, voilà. Mais juridiquement dans la moins place mon côté bah Hollande laïe a escroqué mon à mon touté a ibité mais et ça scandale parce que le nom du président de la République est cité et il y a lobby qui a ça il aura président c'est même aussi juridiquement qui combimate c'est bien tu m'en as parce que ce qu'il a dit est grave parce qu'il a parlé au nom de la président de la République c'est là elle a dit so clairement que bah, investisseur va être dans le Congo. Bah marché, ça n'appartient pas aux Congolais. Non, mais c'est clair. Mais ça appartient au privé, au président de la clan. Alors, M. Kaboum nous a dit ici que bah, détournement à fond public, les Osalama, bah, nous avons un paradis fiscaux, ce qui est grave. Alors, Vidéti m'en avait démontré que Félix Tshisekedi aujourd'hui détourne l'argent de l'État de façon à un paradis fiscaux. Parce qu'il le dit même, Vidéti. Non, mais moi je parle anglais couramment. Je parle anglais couramment et j'ai suivi l'interview, même sans pour autant passer par l'interprète ou Azalei Koumana Siwana. Le président n'a pas détourné l'argent. On va accuser le président à tort, pour rien. Taux de placer débatté. On parle de l'individu Vidier Tshimanga. Il a démissionné. Il a utilisé le nom du président. Maintenant, c'est au lobby qui est tout établir procès contre le président de la République, même Yemoko. Non, mais en quoi est-ce que vous me condamnez parce que ah, il faut poursuivre Vidier Tshimanga. Ah, voilà. Non, mais non, c'est là où les scandales arrivent parce qu'il a parlé au nom d'un président, puis de la présidence. Parce qu'il a bien sûr la pratique au Bassin de la présidence. Il a parlé de ça. Solani n'a interviewé, c'est là où il a parlé de la présidence et ça la pratique au Yébani. Même Nani Kabound, ce qu'il a déclaré, il a dénoncé. Kabound ne nous a pas dit ce qui est nouveau. Ils ont un non-événement. Parce que ça, il y a un non-événement. Quand le vieux Étienne Azalaki, même de son vivant, on parlait du peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, ils ont appris. Exactement. Moi, je soutiens la vision du chef de l'État. On a soutenu l'IDPS quand le président est arrivé au pouvoir. Mais le problème, et le réseau de Mambo Kanabiso, c'est le fanatisme. Ceux qui l'ont critiqué, place ces autres Mambo Lamabé, moi, ils ont tous contre le président de la République. Baza ko aide le président de la République parce que le Congo comme mboka wana ndenge zali lelo oyo et loko oyo Vidier a sali et bominde yemoko mais on peut pas attaquer le président directement mais libre à celui qui veut attaquer le président mais c'est un homme de confiance il y a président. Un homme de confiance, il a pratiqué ça, les makaba investisseur bayaka, moutouni on t'aille bien même bisoba na pototon to kitaka, to bundi awat. La preuve, moi, la conférence, il y a Fati, awana diaspora en 2019, tant que comme président na Congo. Tous les combattants batelema et basala qui bloquent na Paris, ba lobby conférence et athées na doke fait à Paris. Mais moi, j'ai travaillé avec l'IDPS en collaboration, na chaque événement en ligne, j'ai réussit l'événement en enrôlant plus de 6000 personnes. Ma tonne ici Doc Eiffel à Paris et Doc Eiffel au Yoyebi, na 7 jours. On a fait 7000 places. Na 5000 euros, Tilelo, depuis 2019. Premier mandat à président Zokosi là. Bah foutant un bon roi. Ah bah pour ça, tu m'as tourné, bah conseiller, bah l'aime bon roi. Conseiller à président Baliambongo. Et ils sont conscients. Mais escroquerie encore, au sommet toujours. Et ça escroquerie, mais ça escroquerie, ça détournement. Parce que le président, tant que Moussoupa Yoka, on a combien de personnes, même si on a Fatia Yaka, auquel n'a pas été été, pourquoi Norolandais, pourquoi? J'ai un travail, na foutre ma facture, dans la poto, dans mon bon, on a informatique. Vous comprenez? Mais c'est des gens qui sont là, ils disent, ils travaillent pour l'État,
mais ils travaillent pas pour l'État, pour leurs propres intérêts. Voilà. Et puis, bah, ça, on a le président de la République, et c'est tout. Voilà, mais c'est pas logique. Parce que ce qui se passe actuellement est bien grave. Félix Tshisekedi aujourd'hui est impliqué dans la magouille de la présidence, parce que c'est lui le chef. À chaque fois que Salama, hier on a vu Vital Kamerhe, aujourd'hui Vital Kamerhe est lavé, innocent. Procès à Kamerhe, tout le monde dit comment la justice est prouvée du second nom, il était innocent. Alors les Congolais se sont posé des questions. Pourquoi Tshisekedi aujourd'hui, à aujourd'hui, il nous a promis qu'il a fabriqué bah, riche Congolais, comme c'est passé aujourd'hui dans l'Éthiopie, tout le monde commande à la millionnaire Bélé, dans le Nigeria. Tshisekedi nous a promis. Chose qui est grave, il y a toujours des politiciens qui sont millionnaires. Il y a toujours des gens autour de lui, parce qu'on s'enrichit, mais la population est aussi pauvre. Alors pourquoi c'est comme ça? Merci, mais pour nous abandonner, c'est ok. Jésus-Christ même, malgré qu'il y a des disciples, mais parmi les gens, il y avait toujours des brebis galeuses. Donc, quand ça, le procès n'est pas président de la République pour Azalaki dans l'entourage, il y a vraiment juste été. Au moins, le président a eu un millionnaire congolais, c'est vrai. Alors, qui était comme ça, politicien, millionnaire. Hélas, tous ont remarqué que le comportement au Yakala, au Biso UDPS, tout bundi ça peut toujours continuer comme bundi ça, continue à demeurer. Acte posé par M. Vidi et Chimanga, ça n'engage que lui, bien sûr, mais éternir un peu image, il y a présidence de la République. Pourquoi? Parce que Azalaki. Autre personnalité, na niveau à l'icolo, parce que comment on a Zaki, comment on a président. Maintenant, qu'on utilise titre naïe pour avoir avantage, la place Mboka et tirer profit, là, c'est de la corruption. La corruption, c'est que M. Vidi a fait, c'est la corruption dans le droit pénal congolais. Ils ont condamné à 15 ans d'emprisonnement parce que c'était une personnalité publique. Donc, Azaki qui travaillait dans l'institution publique. Donc, voilà, ils ont condamnable. Donc, son acte, ils ont acte moko à banaliser, bien sûr. Notre lutte à nous, l'UDPS, depuis toujours, a toujours été la lutte contre la corruption. Le président de la République l'a dit, redit à plusieurs reprises, que ce qui gangrène, la corruption gangrène nos institutions. Si tous les lots pauvres, à coûté budget à 4 milliards de dollars, alors qu'un pays le plus riche dans le monde, et ça là que justement parce que le président a fait ce sous-message, que non, la majorité des gens qui m'entourent pensent que non, je suis naïf. Mais quand ça que non, sans pour autant les conséquences. Mais le président Tika qui tend au Tika, il a vu maintenant de ses propres yeux, au moins qui le président de sa République et réagissait qui directement dans la voie à presse. Bah, le que non, nous tenions à tomber dans le bébé. Le président est naïf parce qu'il a joué à temps. Il est naïf parce qu'il a joué à temps. A quoi répondre à l'acte naïf, quelques temps après, Vidi et Chimanga a déposé sa démission. Le président est naïf. Pour licencier quelqu'un, pour virer quelqu'un d'un poste qu'il occupait, il faut avoir des preuves. Président Koki Kosa, la justice, t'es sans pour autant, Azala n'a pas preuve. Ce qui est vrai est que système, où il y a 20%, il y a commission, c'est un système qui date. Et maintenant, bon, on peut dire que c'est un bien pour un mal, ça va permettre aussi à ce que Bato Moussous Batikali, au Bazaki Naba, système Wana, où il y a bon mambo cannabiso, va comprendre que non, les temps ont changé. Président de la République a travaillé dans Miyibité, il a besoin de travailler avec des gens qui lui ont. Est-ce que Yemoro Tshisekedi aussi a la conscience qu'il ne peut plus travailler avec des voleurs parce qu'il est impliqué, tout le monde a accusé que non, il est un champion aussi, non, madame. Il y a des tournements. Tout le monde a encore accusé. Parce que ce que vous dossier à Kamerhe, on arrête Kamerhe. Kamerhe avait dit je ne suis pas seul coupable dans la vérité. On a vu Kamerhe ce qu'il a dit parce qu'on accusait aussi la famille Tshisekedi impliquée dans l'affaire à Kamerhe. On a vu ma tante Ampelo qui disait que je ne suis pas Jésus-Christ. Si on m'arrête, je ne suis pas Jésus-Christ. Il a dit aujourd'hui, Vidi et Chimanga, toujours on arrête sa présence. Je pense que comme mêlé président n'a pas acte à corruption, c'est vraiment trop posé. Le chef de l'État, c'est quelqu'un de loyal envers son peuple. Il ne peut pas tomber
si bas. Parce qu'il sort de l'UDPS. Il a une idéologie de l'UDPS. Le but du chef de l'État, c'est de voir tout Congolais. Les Congolais, nous sont au bas à niveau Yassé. Bam matissa niveau na bango. Pas avec Coco Kosombali par la tongote, à Coco Kosombali. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Dis-nous d'abord, s'il vous plaît, c'est quoi l'idéologie de l'UDPS? Parce qu'on ne sait pas l'idéologie de l'UDPS. L'idéologie de l'UDPS, c'est l'homme au centre de tout. Est-ce que vous pensez que c'est ça? C'est ce que Félix est à Zosala aujourd'hui. Ce qui a été fait, c'est que ça a été fait. Mais est-ce que ça a été fait? Non, non. Bah, ouais, aucun débat. Est-ce que la population se retrouve? Ça, c'est la question. Est-ce que la population se retrouve aussi? Moni, tu m'as posé une question. Je vais répondre. Quelle est la question, Moussous? Parce que ça, ma question collée. Ce qui président Azalaki na idéologie UDPS, excusez-moi. Nde azo tonga banzelo azo tonga te nde azo sala ba station épuration ya mai oyo azo créer partout na Kinshasa te voir na intérieur nde azo ko créer ba infrastructure net ya ba barrage hydraulique oyo azo sala na ba province na biso belete. Voilà. Merci, monsieur. Alors, parce que ce que M. Kalonja a dit aujourd'hui, Félix Tshisekedi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi, c'est un homme intègre? Parce que ce qui se passe dans l'entourage Naé est beaucoup bien grave. Oui, bon, moi, je respecte mon président parce que c'est quelqu'un que je connais quand même de loin ou de près, enfin, de loin, pas tout à fait de près. C'est quelqu'un d'intègre, mais sauf que il est mal entouré. Soit Naé. Non, il est mal entouré. Nous pensions que il allait au moins réformer son cabinet. Parce que son cabinet, il est mal réputé. Son cabinet est tellement mal réputé. Parce que ça, c'est comme ça qu'il est. Parce que ça, qui ont travaillé avec lui. Malheureusement, ce cabinet est entouré que de amis qui ne sont pas des politiciens. La plupart des politiciens, la plupart des gens qui sont battus avec l'UDPS ne se retrouvent dans ses cabinets ni dans son gouvernement. Donc, ce sont des gens que lui-même sait la provenance. Il y en a même qui ont été peut-être envoyés par tel, selon ses connaissances, pour les nommer. Est-ce que Étienne Tshisekedi a-t-il une idéologie dans l'UDPS? C'est quoi cette idéologie? Parce que nous avons l'impression que c'est vide, il n'y a pas d'idéologie. Ce que Félix aujourd'hui est en train de faire ne correspond pas à l'UDPS. Non, nous pouvons parler des valeurs parce que notre vieux nous a laissé des valeurs, la corruption, les antivaleurs, tout ce que l'UDPS prononce là, ce sont des valeurs que le vieux lui-même... Mais l'idéologie, c'est quoi? L'idéologie, il ne faut pas confondre l'idéologie avec, comment on appelle ça? Des slogans? Des slogans. Non. Donc, c'est comme lui, il a dit... Parce que les projets, toujours, bah, tes projets IDP, c'est quoi? Mais c'est l'homme au centre. D'abord, c'est l'homme au centre, comme mon ami Kalos l'a dit, c'est l'homme au centre. Le centre, c'est on doit privilégier d'abord les sociales de la population. Mais concrètement, nous ne voyons pas vraiment les efforts qui sont fournis pour accélérer ce développement social. Donc, quelque part, nous pouvons dire que non. C'est le genre de personnes comme Lévidi qui se disent avoir bien bossé. Je peux même lire un peu. Allez-y. J'ai sa lettre de démission, donc je ne peux pas tout lire, mais je vais lire juste un paragraphe qui m'intéresse. Par ailleurs, l'Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi de vous assurer qu'aucun cas, je n'ai cessé de défendre votre vision tant à la lutte contre la corruption ainsi que les antivaleurs qui ont trop longtemps gangréné notre nation. Moi, j'aimerais qu'un jour que Vidi vienne nous dire comment il a fait pour lutter contre la corruption. Comment est-ce qu'il a aidé le chef de l'État dans sa vision? S'il a aidé le chef de l'État dans sa vision, comment il peut se permettre de ne pas permettre aux investisseurs de venir investir au Congo plutôt que de les décourager par rapport à ce genre de comportement? Moi, j'aimerais que nous avons parlé quand même qu'il y ait des réformes. Le président de la République, avant votre mandat, il fait quand même quelque chose pour que le Parlement, qui est maintenant votre Parlement, parce que nous sommes dans l'Union sacrée, c'était pour vous permettre à ce que vos actions soient d'abord privilégiées, qu'ils passent. Mais où sont les réformes depuis que vous êtes là? La rétro-commission, comment voulez-vous qu'un représentant de l'État qui travaille, qui a un salaire, mais parce que il y a une telle mission qui lui est confiée,
qu'ils prennent des rétrocommissions. Ça, moi, je ne comprends pas personnellement. Mais est-ce que cette histoire de rétrocommission là, est-ce qu'elle va permettre, est-ce que vous pouvez accumuler aussi goût pour travailler pour l'État? Parce qu'il y aura. Est-ce que rétrocommission aujourd'hui peut donner le goût de travail aux Congolais pour servir la nation? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a qu'une petite minorité de gens qui bénéficient de ce genre de rétrocommissions. Donc, ce n'est pas toute la population, ce n'est pas tous les travailleurs. Mais ils ont un poste politique, un poste tout clé. Voilà, c'est qui ont des postes clés qui peuvent facilement gérer des budgets ou gérer, par exemple, ce genre de fonctions pour voler. Moi, je peux dire que c'est voler l'argent à ces investisseurs-là. C'est l'argent qui devait être normalement destiné aux Congolais. Parce que quand ils viennent, ils donnent du travail aux Congolais. Ils donnent des salaires aux Congolais. Ils donnent de l'argent aux Congolais. Mais quand vous les empêchez de venir investir, ils les répartent. Et c'est les Congolais qui restent souffrir. Mais où est le social dans tout ça? Mais c'est comme, est-ce que vous avez eu tort, monsieur Maître Nager Kabound, lorsque à l'objet que le détournement de Salamé Bélé, vous avez exploité le minerai à Est et Kouna, vous avez eu un monde qui n'a pas dit fiscaux, est-ce qu'il a menti lorsqu'il a dit? Mais parce que Vidé vient de le confirmer quand même. Mais tant que à l'objet qu'il y a eu fallu mettre ma preuve, il y a eu justice à convoquer qui est pour mettre ma preuve, voilà. Un deuxième témoin apparaît quand même. Est-ce que M. Kabound a coquille comme ça à l'essentiel? Non. A quoi ça les sont en athée parce que tout coquille que comprendre était en si peu de temps à comment on va bien au hasard. Donc ça ne se justifie pas. Donc il n'est pas le mieux placé pour appeler sa leçon de morale dans Ndengewana. Nous savons tous que la corruption existe encore. Chef de l'État, Azobunda, pour a diminuer la corruption, il y a un moni. IGF Azako Salamoussala Naye, Nenge Longoma et Longobani. Donc, dans le cadre, il y a quoi empêcher les prédateurs financiers, ou les messanaka qui ont mis solo et l'État, qui ont mis Bengana Bango, qui ont mis. Sauf que ça ne suffit pas. Il faut encore aller plus loin. Je sais, au moment où il y a un bon payatan, il y a un nommé Moutou, il y a un service Moko, donc il y a intelligence et il y a un checké dans nous. Via Moutouana et que checker passer naïe pour voir s'il mérite cette place. Tant que créer ma bavureté, n'est pas autre, tout le monde a si couru. Ce qui est vrai et ce qui est inédit est que Lelo Moutou a accusé la corruption, a démissionné, a viré dans les heures qui suivent. Ce qui n'était pas le cas hier. Mais ça m'étonnerait quand même. C'est déjà quelque chose à féliciter. Nous savons tous que Nambokoyo, le scandale à Panama Papers et Bimao, est-ce que tout le monde a trouvé Kabila à Bouja? Ton ancien régime et Bouja qui, et ça, la table enquête, tout le monde a interpellé. Parce que tout le monde était trempé dans la magouille. Donc, ce qui n'est pas le cas dans le régime actuel, il y a chef de l'État. C'est vrai, on dit haut ici que non, corrompu, ça toujours aux alentours. Mais si la justice ouvre un peu l'œil, donc Longola Bango na place au Bazali, pour Batia Bango na hors d'état de nuire. Monsieur Lando, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui IGF, parce que M. Kapka, j'ai dit qu'il y a IGF et Salamoussa Lango, mais depuis que l'IGF est là, IGF a du mal, n'arrive à Zokorate, pour ça la même enquête de la présidence, parce que la présidence, c'est là où plus Magui et Fandi, primature, présidence, RTNC aujourd'hui, parce que le monde aussi scandale, ils arrivent à place Wana, est-ce que. On peut croire à IGF lorsqu'on a du mal aussi à mener l'enquête au sein, quand il y a président, parce que scandale, ça va tous les jours. C'est la politique des deux poids et deux mesures. Et justice en Congo, Lelo, tu espéras qui, tant tout le monde a qui Vital Kamerhe avec le procès à 100 jours. Mais tant qu'on va libérer Vital, l'histoire va congoler nos sautés quoi. Même il y a l'étranger. Mais il n'y a pas de Vital Kamerhe parce que tout est mis. Voilà, Nazo continue. Il n'y a pas que Vital, comme tu as dit tout à l'heure. Tomoni Eketeni, ministre Oyo Eteni, Eteni, Lokondo. Baza et Bélé. Présidence, pouvoir Yafachi, ils ont pouvoir Moukouza gangrené Naba. Scandale Moko énorme, il y a un détournement en termes de millions. Le frère, il est de l'UDPS. Moi, je suis de la Force Nouvelle du Congo Libre. On est de partenaires, il y a IDPS, toujours soutenir l'union sacrée, la vision du chef. Mais,
On doit aussi dire de vérité pour na ko aider mboke kende liboso. L'IGF est aussi la travail à contrepartie. Il y a des gens qui sont visés par des intérêts politiques, parce qu'on ne peut pas tout dire aussi. Et au niveau de la présidence, ils ont un scandale, ils ont énorme. L'IGF ne peut pas mettre sa main dessus. Parce qu'il va à la présidence. Parce que à Zobanga, je dirais qu'à Kobanga, donc qu'on a un problème na présidence de la République. Où ballon la poste naie. Voilà, à qui qu'on soit bas risque, à boy qu'on soit bas risque, voilà, les termes appropriés, à Zobanga qu'on soit bas risque, parce qu'il y a des scandales. Lélo, déjà, ce total na gouvernement, na institution yon tezan na Congo, pour mon corruption, degré à corruption. Na ba pays où est-ce respectable, de pays démocratique, dit démocratique, toté en voie à démocratie, n'est toujours en boucan abisso, et zaki na voie à démocratisation. Comment on a Moutouazana fonctionne en tant que combat batouté, mais pour comprendre, le peuple congolais pour comprendre, Moutouazana fonctionne. Tant que Zala Kina nous n'a pas été, à ce titre-là, qu'on s'allie sa partie politique. Mais tant qu'on a commis X, Y, Azu fonctionne tel, à s'allie sa partie politique. Donc, ces gens-là, ils ont un bon goût pour nous alimenter, la partie n'a pas un parti politique n'a pas un goût. Ce qu'ils allient, qu'est-ce à l'état. Parce que, les lois, tout le monde a un apôtre dans un bon goût à les hommes politiques, pour la plupart, bazaba chef d'entreprise, ils créent des emplois, ils donnent l'emploi aux Français, naba immigrés. Au lieu d'aider les Congo, parce qu'on ne peut pas continuer à dire aider les chefs d'État, on doit aider les Congo. C'est les Congo qui souffrent. Président Zana est bien. Président Zana souffrit, même Bana est basé souffrir. En qui on souffrit, tant on souffre, on a un souci. Bateau et équipe n'aille à comprendre que vraiment, ils ont équipe venait à bateau et pena, ba lingi na bango pena, intérêt à Congo, te ba lingi, ba poche na bango, que les Congolais. Mais aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a un groupe d'individus basant à pouvoir ba créer ba parti politique. Voilà. L'UGF doit mener des enquêtes sur tout. Tous les partis ont été créés par des gens qui sont en pouvoir. C'est-à-dire, yo, au lieu de créer un emploi pour les Congolais, ils ont réduire le chômage, yo, ont préféré créer un parti politique. Mais un parti politique, ils en a besoin, ils allaient alimenter dans Mbongo. Mbongo, ils ont besoin de l'appui. Ils ont besoin d'entreprise. Ils ont besoin d'entreprise. Vous ne donnez pas des entreprises, vous ne créez pas les emplois pour les Congolais. Vous créez des partis politiques. Dans l'entretemps, ce que vous avez dit, il y a un député qui crée un parti politique. Bazali, emploi, les seuls emplois qu'on va créer dans le Congo, c'est la bureaucratie à Bassi. Bazan a trois, deuxième bureau, troisième, quatrième bureau, ils sont véhiculés. Bassi, on a véhiculé. Et ils se servent, il y a un peuple congolais, pour bah, moi, le peuple est naïf, mais il faut peuple il faut pas comprendre que non, ils sont en face des jouissaires, des aventuriers, on va créer un parti politique parce qu'ils créent des partis politiques pour qu'on soit électoral à se maintenir. Lelo Oyo, il y a seulement un amboka normal, Mouta Koufi, depuis que nous avons et Bembe. Donc, il faut continuer à vivre dans l'assistanat. Il fait ça là-bas, contrôle, dans la fondation, il faut créer. Parce que, tant que nous avons un bon pour alimenter la fondation, l'association, c'est la capitale, c'est la corruption. Parce que Batouana c'est là, Batouana va contrôler Bangote. Les fondations, Mbongo gouvernement ça pour les fondations. Expertise moko et ça les makate sur suivi à Bambongoana et ça les corruption fuite à ma capitaux. Pourquoi pas copier ça va start-up, bazan à ma micro-entreprise ou qui copier ça va congolais misala ko financer ma projet à Batou pour n'a créer misala parce que au en Europe les lots au ceux qui ont pas quand on parle du développement c'est l'entrepreneuriat, c'est nous les entrepreneurs n'est aux opé ça va français misala. Voilà, et là, on a parce que la femme du président aussi, mais c'est Mme Denise Tshisekedi aussi, peut être impliquée à Maramolobi parce qu'il n'y a pas dans l'association. Mais ce qui est grave aujourd'hui, ce qui est très grave aujourd'hui, c'est pourquoi Félix Tshisekedi a dû attacher IGF la présidence. Parce que Félix Tshisekedi, gouvernement, a voté budget, plus gros budget à l'État, il a dit 38% à l'institution. Donc, il y a un ministre, il y a un déplacement, il y a un tout. Alors, pourquoi bâtir IGF Kuna et bâtir budget pour l'intérêt dans non, mais problème, c'est que l'idée que IGF qu'on rattache à la présidence, l'idée n'est pas mal.
il y a qu'au IGF, il y a qu'au rattaché à la présidence. Sauf seulement que il faut qu'au Tikasco, IGF à ça là, Moussala Nango, ou Essengebani, des deux côtés, que ce soit dans le camp et l'opposition, que ce soit dans la présidence. Parce que, tout le monde n'a pas mboka Moussou Sounet n'a pas Ghana, hein, pour le président du Ghana, tant que le problème y a corruption, Salima qui n'a pas mboka naé, petit frère n'a se retrouvé qui wana, n'a kati y a scandale wana à Kangi Saï. C'est des signaux forts. Lelo oyo to moni juge yani a koufa kakabo et papa bato a koufa kenda kakabo est simple. La démocratie au Congo est en danger et le président Félix doit comprendre. Et l'IDPS et tous nos amis, même l'opposition, doivent comprendre. Parce que un pays, on le gouverne par la loi. Tout le monde doit être sous la loi et personne, nul ne doit être au-dessus de la loi. Quand vous voyez les accords entre individus, être au-dessus de la loi de la République, c'est comme un danger. C'est un danger, mais de toute façon, la Congo, personne ne respecte la loi. Allez-y, M. Wachiki, même question. Bon, excusez-moi. Moi, je peux dire que non, la corruption, elle est légalisée au Congo. Parce que quand on pose la question au président de la République, combien vous touchez, combien vous gagnez, il ne sait pas. C'est des millions. On ne sait pas. Lui-même, non. Lui-même, il ne sait pas combien il touche. Je ne sais pas. Hein? Qui est-ce que parmi nous, qui touche un salaire, qui ne peut pas savoir à la fin du mois combien il touche par mois? Quand nous allons maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, parce que maintenant, heureusement que Kabound, il faut féliciter Kabound parce que il a laissé le choix libre pour que nous puissions savoir ce qui se passe à l'intérieur même de l'Assemblée nationale. Les députés, ils sont pas clairs hein, dans leur discours. Il y en a qui disent qu'ils touchent 4 000, il y en a qui disent qu'ils touchent 7 000, il y en a qui disent qu'ils touchent 17 000. Moi, j'ai quelques amis députés, je leur ai posé la question. Chacun d'eux vous répond différemment. Aujourd'hui, nous savons maintenant qu'il y a les invisibles, il y a le frais de réserve. Et le président de l'Assemblée nationale, il a au moins 200 000 $ par mois. Le président du Sénat, il a au moins 200 000 $ par mois. Au sein de l'Assemblée, il y a des présidents de groupes parlementaires qui ont des salaires, donc qui ont des monuments différents des autres députés. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée, il y a une différence entre nos mêmes représentants du peuple. Ceux qui se disent le représentant du peuple, et puis ils ne sont pas sincères devant leur peuple. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant quand ils vont retourner pour demander encore les voix de ces peuples-là? Ils viendront les mentir parce que moi, c'est la question que j'ai posée pour savoir combien vous touchez. Et pourquoi vous gagnez pourquoi vous touchez cet argent-là? Et ils ne disent pas la vérité. Oui. Ils ne disent pas la vérité pour ne pas couper la parole aux frères. Un député français gagne combien? Un député français, quand vous tapez sur Google, là-dessus sur Google, comment est payé un député français? Écoutez ce qu'on nous dit. En France, un député français dispose donc d'une rémunération de 7 239,91 € brut par mois, soit 86 878 000 € brut annuel. Ça, c'est à l'annuel, c'est 86 000 €. Une fois les cotisations sociales retirées, la rémunération de députés s'élève à 5 679,71 € net par mois. Justifié avec les impôts à la fin de l'année. Justifié. Mais il faut donc ça va une permanence. Il faut une permanence. C'est 5 000, ouais. Et c'est connu. Hein. Ouais, c'est connu. Tu tapes ça sur internet, tu as ça. Le député, tu prends les députés congolais, 5 députés congolais, tu poses la question tout un chacun séparé. Personne ne te dit ce qu'il gagne. C'est Mabunda. Je tiens à dire, après, Jeannette Mabunda aussi. C'est Jeannette Mabunda. Jeannette Mabunda, pardon. Jeannette Mabunda qui était présente à l'Assemblée. Dans la interview, c'est là son salaire. Il y a eu un député. Alors, il n'y a pas eu qu'il parce que ça manque de respect. Il y a un député. Voilà. C'est jouer. Ça, c'est l'argent. C'est moquer. C'est l'argent de ce peuple. Voilà. Donc, le peuple, il vous demande combien. C'est vous prenez de mon argent. Vous dites que non. Voilà. Vous ne pouvez pas les dire, mais. C'est votre devoir de dire à ce peuple-là, parce que c'est son argent. Ce n'est pas votre argent, c'est son argent. Et je peux vous dire que non, la corruption, elle est légalisée. Pourquoi? Parce que même au sein même de l'Assemblée nationale, on leur a donné des jeeps qui coûtent de 50 000, quelque chose comme ça. Ça coûte cher aussi. Pourquoi on doit donner aux députés des jeeps? C'est une forme de corruption.
faut qu'ils se taisent, qu'ils ferment leur gueule, qu'ils ne disent absolument rien quand il s'agit de débattre des sujets qui sont des sujets. Allez-y, je pense qu'on peut s'en rappeler tant. Allez-y, c'est moi qui. Allez-y, je te donne la parole. Je donne la parole. Nako zongela mkesima na zonga mkesima na mamundeko nganda otekolo balobai keno ba scandale ya ba millions ezan na présidence ya ya république non pas la présidence na bou na régime non na régime lobaki na présidence non la bi na présidence na régime c'est déjà régime ya fati c'est bien mais tu dois savoir mais eloko ba ça était que non tous les scandales et aboutir na ba procès pas ba procès mbo zonga la caisse à l'état, bon, monsieur la majorité, monsieur Ngando, ministre et monsieur Ngando, n'a pas eu que non, la majorité à Mbongo et Zonga. Concernant Makambo ou tout le Bakeno, IGF a enquêté sur ma partie politique, n'a pas eu que ça, ma prérogative n'a été. IGF est ça, institution. Conçu pour et gérer et contrôler la finance. La vie des individus qui sont sur qui occupent des fonctions. Tout ce qui est c'est ça l'idée. Non, mais vous avez beaucoup parlé, vous autres, quand on a le bâté. Au moins, au bâté, qui est enquêté sur ma partie politique. Les partis politiques sont des faits privés. L'IGF a une compétence à enquêter dans la partie politique. Le rôle de l'IGF enquêter dans la finance. Mais Aza a droit d'enquêter à la France. Non, mais ceux qui ont le bas, il y a la France. Nous, on parle du Congo ici. Non, mais attends. Non, c'est pas une question du droit international. On parle du Congo. Tala, ma prérogative, il y a IGF faisant la téléphone, au Tala qui va salaire, il y a ma député français, bien que. On a juste salaire sans compter frais de fonctionnement na bango. On a juste salaire, mais bah frais de fonctionnement na bango ezali tout ça. Oh bah futaka, bah permanence, bah futaka. Allez, c'est mon galon. Bah futaka, bah permanence, bah futaka, bah associé na bango bateau, bah collaborateur. Il y a un moment François Fillon, il a connu un procès. Pourquoi? Moi, a engagé qui moi sinaé, mais l'État a vérifié à l'objet que non, non. Tu n'avais pas engagé ta femme, et ça qui travaille moko, bon, qui n'existait pas. Donc, au foot, moi, si dans un bon pourtant, elle ne travaillait pas. C'est l'argent. Il y avait aussi sa fille aussi. Hein. Voilà, c'est l'argent qui est donné l'État pour le fonctionnement de la banque. Là, au loba qui en été peut-être, vous avez qu'on ignorant, moi, je pense que c'est aussi une matière à redécouvrir. Tout est là. Au foot, voilà, c'est une matière à redécouvrir. Bon, c'est comme par exemple les députés. D'ici en France, chaque député a l'obligation d'avoir une permanence. Comme ça, quand il est absent, son secrétaire reçoit les gens de sa circonscription pour qu'ils puissent recevoir leur déloyance. C'est comme ça qu'à partir de ça, qu'il peut avoir un ensemble d'éléments à aller défendre à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, aujourd'hui, les députés ils se disent que non, ils sont là pour enterrer les morts. Est-ce que la fonction du député lui autorise à enterrer les morts? Et combien de morts ils enterrent par mois ou bien par jour? Alors, nous avons un grand problème chez nous. La corruption est au centre de tout. Que ce soit au Sénat. Les sénateurs, ce sont les députés provinciaux qui élisent le président du Sénat. Nous avons vu les scandales. Il y a corruption à tous les niveaux. À tous les niveaux, je rappelle juste que c'est très important. En France, sur les députés, il faut bureau nous à la base nayo et aussi il faut qu'à la base parce que mission en Congo, donc bah il y a des députés ou encore bourgmestre demain à qui m'a promis na Gombe. Bazou abandonner la base na Bango, ils savent même parce que c'est pas. Et puis donc comme je disais, la seule chose où va député baza spécialisé à faire, à créer emploi baso créer Zali Bassi donc au parti politique et puis cinquième, troisième cas toboïté toki ko gérer ma pulsion sexuelle na bangoté toki ba sentir hein, vie affectif na bangoté mais bazana 5 Bassi 6 Bassi et tout un donc tout touche donc toute une chacune il y a Bassi ou en a tout un
toutes les femmes là, au Bazawana, chacune a des voitures, a une voiture au moins, hein, au minimum une voiture. Et moi, quelqu'un qui est en assistant, mon frère. La création des emplois, pour investir dans l'éducation. Coup de chapeau. Moi, j'ai toujours soutenu l'idée, il y a école gratuite, où il y a président à appliquer la constitution à l'issue. Voilà, vraiment, c'est une bonne chose. C'est des choses à féliciter. Donc, pour dire aux amis de l'UDPS que Bissot, tous en rapport au Loba, m'a bêté. Le lotos, le Mamba scandale pour la corruption, ils ont gangréné Mboka na Bissot. Élite cheval de bataille, il y a président, ils ont qui contre la corruption. C'est là où on est en train de parler parce que nous sommes en train de faire qui va attaquer l'UDPS. Tous en attaquer personne. Nous, nous voulons qu'il y ait changement, le vrai changement. Vous comprenez, les lois ont un député Yokundarababi Bembe, mais ministère, il y a social, affaires sociales, les arabes. Les lois ont été vidées, il y a scandale, il n'y a pas que les vidés, il n'y a pas que les députés, mais tout le ministre, il y a affaires sociales, Aza Wapi. Parce que quand on gouverne un pays, le président de la République a concerné en tout. Le président de la République a responsabilisé Moutounio, surtout le premier ministre qui va ramener. Une équipe, il y a Batou, il y a un gouvernement, il y a un travailler, il y a mon frère Alobaki, on doit évaluer tout le monde, on doit évaluer avec un CDD il y a 3 mois. On doit évaluer tout le monde, c'est vrai. Mais est-ce que, le ministre, on a dit parole, mais est-ce que, parce que les ministres, ben, pour exécuter, penser, n'a idée, n'a projet à président. Mais est-ce que le président de la République, est-ce qu'il y a l'UDPS, Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, c'est quoi son projet? Parce que jusqu'à présent, même Sama Lokombe, comme un ministre Naé, il ne sait pas quoi faire. Est-ce que la politique qui a président existe? C'est quoi la politique de Tshisekedi aujourd'hui, M. Kalonji? Question de Royer Basoki, projet à président de la, et chef de l'État Zanini. Il y a Sama Lokombe Zanini. Ah, Sama Lokombe est président de la République. Le chef de l'État, je pense que, nous répétons le ce soir, le chef de l'État sort de l'UDPS. UDPS, objectif principal, Nabiso. Et ça, nous coachons l'homme au centre des intérêts. Au moment où tu coûtes Mboka, et ça, tu as dit que 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 partout ailleurs. Mais tant que le président de la République a dit, au moins, il y a un coût mis sur l'État dans combien? Il y a coûté 4 milliards autres comme budget national. Et ça a coûté comme 4 milliards. Mais au jour d'aujourd'hui, 4 ans après, le chef de l'État, mon projet a été a commis ce budget à 14,6 milliards. A multiplié en fois 3. Laissez-moi parler. Mais président, tant Moutou a longoli 4 milliards, quoi comme ça, on a 14 milliards, c'est quoi son projet? N'est-ce pas après sa richesse dans la population? N'est-ce pas Mongo, on a tout ça, et qu'on a financé le projet et il y a l'infrastructure, et qu'on a financé le projet agricole, et qu'on a financé le projet d'éducation, le projet de santé. N'est-ce pas ça un projet? Guerre ils ont les canaux STMBO cannabis depuis plusieurs années. Le chef de l'État a recruté depuis a recruté combien de militaires? Plusieurs militaires a recruté. Malgré qu'ils ont subi sanctions injustes contre Bachaya armes, mais le chef de l'État se bat avec ses moyens. Le faible moyen qu'on mobilise toujours dans 4 milliards, le locomie à 14 milliards, il faut au moins les féliciter. Aujourd'hui, l'infrastructure est construite partout dans le Congo. Au lieu que ça a été que non, il y a aux autres, la micro-union sur télévision, tu sens qu'au moins, projet mon infrastructure. Ça, maintenant, on mettait, il faut le dire aussi. Il faut le dire. Ça, maintenant, on mettait, l'éducation. Enfin, surtout, moi, ça, la normalité. Ça, il faut reconnaître. Gratuité et enseignement, monsieur Mouzon. Bisote mouto créamo. Constitution Oyo Tozanango, UDPS a tinda batouba votangote. L'UDPS a combattu cette constitution. Mais gratuité et enseignement, nous l'avons trouvé dans la constitution, mais avec appliqueté. Mais le chef de l'État, grâce à son courage et à son amour envers son peuple, a continué à pouvoir, à instaurer gratuité et éducation.
malgré budget à 4 milliards. Le lobe à tout bazar, on s'est posé la question, 14 milliards en gros besoin, et puis ça veut dire qu'il y a un wapi. Ben justement, parce que ceux qui laissez-moi vous répondre. Il faut que non budget il y a enseignement déjà gratuit. Enseignement gratuit. Ils ont coûté environ 2 milliards. Alors que Liboso, ils ont dépassé même 500 millions. 2 milliards là, un, pas le mois, un. Bah bien sûr, c'est l'année. Est-ce que ça va la presse est-ce qu'on pouvait avoir Monsieur Mouzon. C'est ça, c'est très important. Monsieur Mouzon, bah outil qu'on mécanise, bah enseignant, au bazar qui tangi ça sans cause à la sans cause à la numéro matricule, sans cause à la reconnu dans l'institution publique. Bah outil qu'on mécanise, bah ou à nombre. N'est-ce pas ça que non, bah y'a qu'on matisse masse salariale à niveau éducatif. Non, tu quand là l'oba. N'est-ce pas que Bayeko matisse masse salariale au niveau éducation? Mais c'est une parole. Parce que moi j'ai des familles à Kinshasa, je mets 9 ans à Kinshasa, parce que dans l'école privée aussi, je fous à Minerval. Parce que c'est l'école au sein de la bombe, il faut foutre à faire. Parce que aujourd'hui, ma rentrée scolaire, l'école au sein de la bombe, il faut foutre. Parce que, comment on appelle ça, gratuité à scolarité, ça n'a pas marché. À 100%, ça n'a pas marché. Mon erreur, Tozo, ça, là, autour de l'école privée. La gratuité ne concerne pas les écoles privées. La gratuité concerne les écoles publiques. Privée de la publique. Qui publique? Et les privées. Pourquoi ça touche l'école catholique alors parce que catholique est privée. Et ça privé conventionné. Vous voyez, c'est ça la différence. Il faut tout y kako. Quand il ça trouble dans mitoa bato tant que balobaki gratuité on les a payé. Mais est-ce que ça comme ça c'est important, est-ce que comment ça va avec monsieur aujourd'hui yo oko préféré nini bana bazali 10 mais ba école les ali 4 oko préféré autant que ça kaka 4 bana otika 6 libanda to kolobaki non na 4 classes o na 4 école otozali nango 10 wana bokota nanu na ndenge wana bo banda na ndenge wana en attendant to tonga ba école mususu. Toi, tu préfères quoi? Mais la politique est mal gérée. Parce qu'il a fallu faciliter la notion à combien dans son classe normale. Ce n'est pas seulement la publique, pas la privée. C'est ça la sensité. N'ayons pas la mauvaise foi. Ce que quand dit que non, il n'y a qu'un groupe d'élèves, un groupe d'enfants débattant à droit et éducation et les autres doivent rester ignorants et analphabètes, ce n'est pas ça les projets de l'UDPS ni du président de la République. Gratuité et enseignement et l'ongoli 5 millions d'enfants dans Bandaku, dans Balabala. Et côté ici bango na niveau et côté bango na secteur y a éducation. C'est déjà quelque chose à féliciter parce que un pays sans l'éducation est un pays qui n'a pas d'avenir. Il faut yeba que non muto aloba ce que lingo bomamboka banda na éducation. Mais le président de la République a compris que pour le retongamboka, il faut commencer par l'éducation, à côté de gratuité et enseignement. Juste pour ça, sans compter Mambo Moussousou, il faut déjà les féliciter. Et il restera, excusez-moi, il restera le plus grand président depuis l'histoire du Congo post-colonial. Il faut que respecter, il faut que ton abécole dans le Congo, ça c'est très important avant que tu n'aies pas un abécole. Parce que Mambo Moussousou, par exemple, finir la classe, moi, madame la cour, il faut aussi qu'on revoie aussi Manuel, il y a éducation à Mogadiscio parce que c'est très important. Alors, je vous propose d'abord, parce que ce qui est très compliqué, le président de la République a se rendre dans Matanga et à Kwedi, parce que chose surprise, parce que déjà, M. Kwedi à Koufi, le président de la République qui vient pour honorer une mémoire naïe, peut-être parce que Azan a un souvenir, il a passé, un souvenir naïe à Boumana, à Onekou, à M. Kwedi, dans le théâtre, un groupe salon. Mais le président de la République étant le président, il n'arrive pas à améliorer aussi. Social à la Congolais qui va faire peut-être que non, bah, qu'il y a une famille qui est avec honneur, peut-être que aujourd'hui, à Tiki, famille est pauvre, bah, doudou m'a fourra, bah, koufa, bah, fou fupé bélé, quand on le lobby, il faut quoi, assister, bah, on va m'en aller, non, première dame, c'est là qui X, première dame, elle est qui passe là qui est le bébé, bah, on va assister, bah, Congolais, au lieu d'un peu, Luka, qu'on crée une sociale, vie socialement équilibre pour les Congolais. Je tiens juste à rappeler, lorsque le président Kekuna, on a vu ce qui s'est passé. Bah, tu y a RTNC, bah, c'est plaindre que bah, fout à mon la monte, bah, quand tu as mon la moitié, bah, salaire, c'est matin, bah, j'aurai mon la monte. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi, bah, tu as RTNC, il faut pas aborder le président public pour lui dire que non, bon, on a vu son salaire et qu'il n'a pas. Wapi, mais c'est ma chéri. Oui, en tout cas, moi, je trouve que non, bah, toi, bah, ça lit bien. Parce qu'il y a beaucoup d'anomalies dans le fonctionnement, il y a ma camouille, il y a
Batouana, c'est-à-dire que nous, ils se sont battus depuis très longtemps pour pas faire parvenir message et pas le président de la République. Des barrières. C'était l'unique occasion pour qu'ils permettent de s'exprimer pour présent comprendre ma difficulté. Nini. Et ça, c'est RTNC. Depuis l'augmentation du salaire, mais il faut autant, puisque moi j'ai déjà fait des émissions dans le cadre de RTNC. Monsieur Mouzon, monsieur Lucien, monsieur Chris, ceux qui ont mon matériel, nos techniciens à RTNC utilisé, ce sont des matériels qu'ils ont utilisés en soutien. Ça date de plus de 40 ans. Regarde par exemple l'image, même le président de la République, quand il est chez lui, il a habité soit à la RTNC. Tant à mon image à RTNC, on a se demandé à te que non, Mbongo Oyo, et Kotarana, institution et Kendakawabi. Donc c'était l'unique, moi je lui demande, sauf qui, à se rendre compte, à ce exemple, à Ninoyo, à Meka Kokende, n'a pas service et belé, à l'improviste. Parce que. Allez-y. Parce que les mandats n'ont pas été. Ils ont été sanctionnés ou bien votés. Ils demandent deuxième mandat. Il faut ayo kakabatu. Aké n'a pas service. Effectivement, est-ce que Michel les autres sont bien ou pas? La difficulté n'a pas été des puisque. Bambon ou anesre et kendaka. Et parce que c'est très compliqué, parce que le président de la République, cette femme-là, elle est dans la présidente de la République, elle a dit qu'on a abordé des problèmes, le président de la République a évité quand même, parce qu'elle a évité en public, mais mon souci est pour insister que moi, on s'est installé toujours à monter. Monsieur Nando, les États-Unis appellent ça comme 6 millions pour lutter contre la corruption en Congo. Aujourd'hui, c'est la déception parce que lutte contre la corruption en Congo, ils ont pensé à président pour lutter contre la corruption, et ça n'a pas. Et il y a monté ça, mais en gros, aujourd'hui, est-ce que le président est conscient de ce qui se passe ou pas? Est-ce que Mbongo, parce qu'il n'est pas américain, a lutté contre la corruption? Est-ce qu'il est conscient que Mbongo est battu? Non, mais c'est une question qu'on doit tous se poser. On se pose tous la même question. Le problème, Ezali, c'est l'homme de Félix, du président de la République, qui doit se dire est-ce que bilan nangai na fonctionnement il y a makambu ndenge zo salema les a positif ou négatif. C'est vrai, il travaille et l'autre raison pour m'abîmer sur ma congolais tout n'engagera que ça qu'on centralise ni surtout le président de la République. C'est lui le maître. Voilà, non, c'est lui le maître. Mais il y a des institutions. Institutions. Et l'autre Bomi et Zali entourage n'est pas scandale et ça a mis mingi. Mais c'est son choix, son entourage. Mauvaise décision. Oh, ils ont impopulaire et y est trop. N'a procès il y a 100 jours et y est cosouillé Marambebele. Mais lutte contre voilà, Babu Kangalon de Marambebele. On lutte contre la corruption. Ce qu'il n'y a que Simba, il fallait président sanctionner dans nos proches au Yaye. Il n'y a que un message beaucoup fort envoyé. Mais il a fait avec Kamer quand même. Mais Kamer aujourd'hui, il est où? Et le juge président Tata Batoza a pilé le. Mais est-ce que c'est Kamer Kabouma qui est Kamer qui est innocent? Personne n'a dit Kamer Aboumié, mais papa n'a koufi pourquoi? A koufi n'a pas de procès, voilà non? Congolais, c'est les émotions en fait. Le monsieur a été assassiné. Ils ont assassiné et Salima. Il fallait même commission d'enquête moko indépendante et Salima. Ils ont faute à justice. Mais la justice congolaise a dit faille na yango. Voilà, il y a deux failles. Il y en a bien, c'est là. Et il y a un problème. Il y a double mesure. Hein. Donc, le problème qui est là, la justice congolaise, Alexa qui force Nango, n'a procès à 100 jours. Mais avec Alexa, bah, faille tant à libérer Batobele. Il n'y a pas que ça, il y a seulement pas que Kamere. Il y a d'autres individus où va détourner ma ministre, va détourner ma Mbongo. Tout à l'heure, le frère a dit que Bazong ça va Mbongo. Tout le monde a traçabilité. Dans l'autre, si tu as le lot, Batobazan a pouvoir avoir sa traçabilité. Il y a un monde où on a libéré Nango, où il y a une banque centrale qui est ministre X, a détourné 200 millions. A zone ici, 300, a zone ici, par exemple, 150 millions. Bapé Sabiso va libérer Nango, et commission d'enquête indépendante va vérifier la banque centrale. Est-ce que Bapé Sabiso est en haut? Bapé Sabiso est en haut. C'est là où les gens disent que justice, il y a deux poids et deux mesures. Parce que si on a un petit peu de chégué, ou a un peu de piné à Moutou, il y a un peu de makala.
comme tout le monde à côté qui n'anda à côté là mouta iba qui téléphone tout ordinateur à ça ma macal mais est-ce que les politiciens qui détournent bas à Liban mais le problème à la fin à RTNC alors c'est quoi le problème à RTNC yomoni il y a toyo qui ne bisse non de tozo quand des tomoni famouana ou il y a le besoin à prochain président bon écoute à ça qui n'a sac ou la tisac président zamou kondia mboka donc fonctionne aillé. Et au sein de il faut le service et la sécurité va protéger et puis on passé la barrière nous sommes tous les membres au bon même yo personnellement il faut banga il faut continuer la France c'est ça le malheur non mais la France mais même ceux qui va bimer là qui Sarkozy Toté Macron et prudence et n'est à la quand même parce qu'à la qui va s'éviter aux annonces à 400 autres moi tout le condamné était maintenant le problème tant que bat baillé ma paix va doléance tout quoi bah parce qu'il semblerait que PDG, et ça que tu prends un ministre, tu as condamné non ministre, parce que présomption d'innocence, il faut ça là. Vous comprenez? Mouyaya, pour moi, je vais dire, il faut que tu aies la justice, c'est ça là, Moussa. Mais est-ce que pour ça la justice? La personne, on veut bien la justice, c'est ça la justice, mais est-ce que le président ne veut pas sur la justice? C'est le Parlement qui devait maintenant, parce que justice, c'est ça, dans le cadre, il y a pauvre, il y a un cadre, il y a justice, Nabisso, il fallait travailler avec la, en collaboration avec la présidence et les parlements. Parce que le Parlement est là pour voter les lois et la justice pour refaire la, son application. Mais ceux qui sont au pouvoir judiciaire, ils ont appliqué les sous-balois, comme nous avons le laxisme. C'est là où maintenant, Romain a battu, comme le président de la République. C'est ce qu'ils ont fait. Et la maman est passée à ABC président, doléance, Nabango, tous et la Sikoyo, réaction à président. Mais est-ce que justice est constante? Mais c'est quand même, je vous pose parole, vous avez un temps, on a réservé, on a eu temps. Mais c'est allez-y. Est-ce que. Le vrai problème, c'est quoi? Est-ce que Mouya a impliqué dans le salaire à Batou ou pas? Est-ce que Azoulia a un Batou ou pas? Donc, ce que Batou a revendiqué quelque part, c'est qu'il y a une raison. Bazan a raison. On a parlé de l'augmentation en salaire à Batou. Mais Bangou côté, Bangou, augmentation à mon côté. Donc, Batigali toujours sur la même base. Il y a salaire à Bangou jusqu'à aujourd'hui, pendant que Batou a une augmentation en salaire. Tant que Bazou a su que Batou n'ont pas de réponse. Donc, j'ai eu quelques. Zami au Basalakana RTNC va confirmer que Baza toujours aligné na ba salaire yakala donc va remettre donc va rétablir bon ba salaire à cigarette c'est pourquoi na makamo etali ba soins médicaux ba tababa fonctionnaire ya RTNC quand ils sont malades Baza n'est nulle part où aller se faire soigner. Mais pourquoi PDG n'a pas raison de faire la volonté? C'est le PDG qui doit veiller, le directeur général, qui doit veiller sur le fonctionnaire. Pourquoi il faut attendre directement le ministre? Donc, le Congo a un certain fonctionnement au Kébi Soyon, c'est toujours déploré. PDG, il est PDG de sa famille. Le DG, c'est AI, il est intérimaire aussi, c'est monsieur. Donc, Bango, la plupart de ceux que nous connaissons chez nous, parce que quand on te nomme ministre, le cabinet il est composé de membres de la famille. Est-ce que ça sera normal? Mais la présidence fait ça bon. Le président de la République a nommé ambassadeur, ministre. Mais est-ce que ça sera normal? On l'a vu. Est-ce que donc, tout se poser Bissou la question. Parce que Bissou Tolingi, Bokanabiso et Kenelibosso. Changement est seulement dans Bokanabiso. Mouvement pour la démocratie et le progrès social. Progrès social, mais je tiens juste à rappeler que est-ce que c'est normal aussi que jusqu'aujourd'hui, RTNC aura toujours quand la PDG AI. Bah, ça n'a pas ça de changer. C'est vrai qu'ils ont un maquis, mais aujourd'hui, bah, salarié à RTNC, bah, ça n'a pas ça aussi comme on a clair. Il faut que changer président de la République, il faut renommer vite PDG à RTNC pour pouvoir aussi créer aussi fluidité dans le quartier. Vas-y, même question que bon. Bon, concernant RTNC, je pense que problème, il y a problème général, il y a l'entreprise publique. On ne doit pas se voiler la face. L'entreprise publique, nous sommes la République démocratique du Congo, on va dire que non, ils sont en faillite. Vous savez, on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Ils ont un règlement élémentaire. Il faut changer logiciel parce qu'on ne peut pas avoir le même nombre, une masse salariale élevée dans une entreprise ou soit une institution publique où ils ont cotisé.
pas grand-chose dans la caisse à l'État. C'est le problème dont souffrent beaucoup de nos entreprises en République démocratique du Congo. Tout le monde a un bon comme souci à Bapaya. Excusez-moi. Ceux qui entreprises au public et en difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Parce que ça, là, licenciement. Ou l'État pas pour parler. Ça, c'est important. Non, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez-y. Bah, réduire la masse salariale pour permettre. Bah, au barotique, là, bah, vivre au moins décemment, paix entreprise et salamoussala, n'engue l'omobani. C'est pas le cas au Congo. C'est pas toujours à la RTNC. Il y a aussi notre compagnie d'aviation. Tozana avion moko. Mais pour combien de salariés? 700 salariés. Or, n'a pas règle normale, un avion, il faut tout au plus 70 salariés. Vous voyez tout ça? Comment on peut relever l'entreprise publique, ceux qui sont les managers, il y a mal à mouté. Ça ne marchera pas. Il faut dans le Koméka Kosa la restructuration, il y a l'entreprise publique. Et puis qu'on pèse sa entreprise publique, n'a pas manager au bazar capable et à relever le défi. C'est ça. Mais lorsque le président maintenant est en train de nommer. La famille Moko, Moutoumoko, PDG, Balanae, femme Nae, et ça c'est dangereux. C'est là où on dit que le président lui-même ne comprend pas ce qu'il a fait. Est-ce que l'État congolais manque de fonds? Parce que le nôtre, à où tu as repris cet exemple en lobby, c'est là. Non, on a pas sauté, c'est un débat. On ne peut pas te laisser 7 minutes parler comme un professeur, nous t'écouter parce qu'il y a des choses qui ne passent pas. Non, mais c'est comme ça. Là, tout à l'heure, tu as dit un trick. C'est intéressant, tant au lobby, budget, Mati, 14 milliards, c'est bien beau de dire ça. Mais les sociaux, il y a peuple, ils ont changé. Le ventre affamé, Rébi, Adagio, le ventre affamé, n'a point d'oreille. Batman, c'est la 14 milliards, et la présidence, Bande de Kouazan, la présidence. Monsieur Nganga, c'est la cible. Monsieur Nganga, tu penses que comme on a budget à 50 milliards, c'est pas comme on a bien. Non, le problème, Lélo, on ne manque pas de fonds. L'État congolais ne manque pas de fonds. L'État congolais ne manque pas de fonds. Il y a quoi injecter, n'est tout le monde à Kana Poto, l'État injecte de fonds pour l'entreprise publique. On ne peut pas dire que l'entreprise publique est générée par recette. C'est faux. C'est les entreprises publiques, c'est la fonction publique. D'où l'intérêt d'injecter des fonds. On injecte des fonds. On ne dit pas que. Parce que tant on va diminuer masse salariale. Non. Tout le monde va créer emploi. Toi, tu parles des licenciements. Tu parles encore de réduction d'effectifs de l'État. Mais mon frère, il n'y a pas de sens. Je ne sais pas si ça va à 80%. Quand tu dis ça, c'est quelle analyse de développement quand vous luttez contre la pauvreté dans un pays? C'est quoi l'idéologie des l'IDEPES? C'est les social-démocratiques. Je peux parler. Les social-démocratiques, on doit. Le vieux. Tu parles. Développe maintenant. Parce que aux humains français, tout à l'heure, à la présente question, on a parlé au mot français, on a parlé que c'est la France, au bout, il y a au bout, au Congo. Je ne parle pas de la France. Bah, l'austérité, que quand je parle de l'austérité, c'est la France. Non, on a parlé de l'austérité ici. Au Congo, quand est-ce qu'on nous a parlé de l'austérité au Congo? Ça n'a jamais existé. Donc voilà. Non, mais tout va aller. Tout va aller. Tout va aller. Tout va aller. Le débat, les deux. On va aller 2 minutes. Allez-y. Va diminuer le chômage, l'engagement massif, l'entreprise publique. Non. C'est les PME qui créent des emplois dans un pays. J'ai dit ça tout à l'heure. Non. Monsieur Ngando, austérité. Mais c'est vrai, 2 minutes, là, même rapide. Austérité. Mais ceux qui ont dit que c'est un peu plus de temps. Non, aux Allah, c'est pour moi. Il faut que tu comprennes. Allez-y. But et austérité, Zanine. Et ça, qu'on vivre au-dessus de ses moyens. Il faut réduire ma dépense de telle sorte que non,
l'entreprise, il y a l'État, et comment qu'on fonctionne vraiment normalement, et créer un peu bah, plus-value de façon que qu'on injecte en entreprise. Donc, on peut continuer dans la masse salariale inutile, excusez-moi les mots, je ne veux pas blesser les gens, mais les gens qui travaillent dans les entreprises publiques, nous connaissons tous, bateau bazarana ma numéro il y a matricule, mais mais chaque fin du mois, ça c'est autre chose. C'est ça les problèmes. Non, ça c'est autre chose. C'est pourquoi pas réduire, réduire le train de vie à la ministre, s'il te plaît. Non, je ne vais pas réduire le budget à la justice. 30%. 30%. Je ne réduis pas. Il faut tourner dans le salaire. Salaire à président, salaire à président à Sénat, salaire à président à Parlement. Je suis député, il y a premier ministre et ministre. Tout doit être tracé. Je dis la Suède, la Suède, c'est l'un des pays qui a combattu la corruption. Quand on même sur Wikipédia, vous allez voir, la Suède, tout est numérisé. C'est-à-dire, Yébi, voisin en Azouaka combien? Parce qu'Azan a tel grade, Azan a tel diplôme, Azouaka autant. Monsieur au Congo, si nous voulons combattre la corruption, hein, il faut traçabilité Zala. On doit numériser l'administration. On ne peut pas quitter 52 ans de corruption. Non, c'est faux. Bon, on a je vais féliciter M. Vidichi Manga. Alexis, exemple, il y a quand tu es devant un problème, il faut démissionner. Nga Bedos Congo, ce qui est un PDG, il y a Congo Airways, il y a 500 personnes, voilà, je vais travailler, mais à condition que non, bon, pèse un moyen, si on pèse un moyen, on était. Je démissionne. Voilà, on va démissionner, mais je tiens à rappeler que président, c'est sur la publicité en réseau social, tu t'en battais avec la somme de cet avion jusqu'aujourd'hui, tout le monde a cet avion. Mais c'est quand un mois avant cette émission. Et là, on a le bas, et ça que Batou va sombrer dans le coutaté, va s'exposer dans ma rambo le coutaté. C'est vrai qu'il faut train à vie, il y a des institutions dans l'abisso, et ça l'a réduit pour. Mbongo ali kolona ba koka ko investir en ngoli susu na ba institution publique to na social ya population. Naza ko rappeler pour na okata que social c'est aussi la gratuité de l'enseignement. Papa o azala ki na bana 5, o azai ko foute la ba mbongo na classe. Ce ka za ko koka azo foute susu mbongo ya classe te bana wana bazako tanga ofele, c'est ça le social parce que mbongo azai ko bimisa po foute Minerval, yango epesie pouvoir d'achat a koka ko injecter mbongo wana na ba bilamba na ko foute. C'est aussi ça les sociales. Merci beaucoup, merci. Sachant qu'il y a 90% des chômeurs dans le Congo. Merci. C'est ça du social. Merci beaucoup, M. Kalonji. Je rappelle que vous êtes cadre à IDPS France. Merci aussi à M. Lucien Gando, président à Force Nouvelle du Congo Libre. Merci aussi à M. Bédos Mansati Congo, analyste politique. Merci d'avoir organisé cette émission. Au Sénat Abino, vous partagez cette émission. Rappelez-vous que prochainement dans cette émission, même de Rolanda. Ce que a fait la première dame dans le Congo, a créé qui programme Naya Excellencia, ou a tiré qui bat dans le Congo, ou a gagné, ou a mérité, ou a diplôme d'état, ou a point élevé, ou a le temps à l'ambo capoto, mais bah non, on a besoin de la ligne à poto. Les Congo AL News, première chaîne d'infos.